de ne pas vous approcher. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Ellie, coupe le courant. Moi, je m'attaque tout de suite au foyer principal. Bien reçu, Julie. Ça va aller, Lyon. Tu n'as plus rien à craindre. Courage, Béatrice. C'est à vous maintenant. Ah. On dirait que tout est sous contrôle, Julie. Ouh. Bien reçu, Ellie. Nicole a prime, il ne fallait pas allumer la machine à fumer parce que c'était beaucoup trop dangereux. C'est un incendie qu'on aurait pu éviter si tu avais dansé avec Lily. Je suis désolée. Je n'ai plus qu'à aller danser avec Lily maintenant. Danse avec moi? Oui, danse avec toi. Hé, hey, Elvis! On se le fait, ce portier qui met le feu? Cette soirée disco ne s'est vraiment pas passée comme prévu. Oh, Lily, arrête! C'est mon gâteau! Oh, au secours! Aidez-moi! Je suis là! Il fait de plus en plus sombre. On doit se dépêcher de retrouver Mathieu. Bien reçu, Sam. Je passe en mode imagerie thermique. Bingo! Je crois qu'on l'a trouvé. Prépare-toi à descendre, Hélène. Bien reçu, Tom. Ne t'inquiète pas, Mathieu. Tout va bien se passer, on va t'évacuer. Est-ce que tu es blessé? Non. Non, je crois pas. Mmh. Accroche-toi bien à moi. On va faire un petit voyage. Mathieu est attaché, tu peux nous remonter. Bien reçu, Hélène. Remonte-le en douceur, Tom. Oh, Tonton Sam! Il n'a rien, il n'est pas blessé, mais conduit doucement quand même pour le retour. Je pense qu'il a eu suffisamment d'émotions fortes pour aujourd'hui. Bien reçu, Hélène. Et ne t'inquiète pas, je vais penser au petit Pop. Félicitations, les pionniers. Je vois que vous avez fait un très beau bandage. C'est moi qui l'ai fait. C'est très bien que tu apprennes beaucoup de choses grâce à ton livre, Mathieu. Mais tu as oublié ce qu'il y avait d'inscrit sur la première page. Joyeux anniversaire, Mathieu. Gros bisous de ta sœur Sarah. Non, c'est pas ça. Peut-être sur la suivante. Table des matières? Non, Mathieu, c'est pas ça non plus. Oh, je l'ai trouvé. Toujours garder son calme. Oui, oui, je voulais parler de ça. Sarah, si tu m'entends... Décroche le combiné. Sarah, tu me reçois? Oui, je te reçois, Tonton Sam. 5/5. Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire... Exactement ce que je te dis. D'accord, bien reçu, Tonton Sam. Alors écoute bien. Une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir. J'ai compris, Tonton Sam. Ceinture, vitre, sortir. Ceinture, vitre, sortir. C'est très bien, Sarah. N'aie pas peur, Sarah. Je te tiens bien. Ouais, bien joué, Elvis. Heureusement que tout le monde est sain et sauf, Sam. Seulement, notre exercice ne s'est pas déroulé comme prévu. Et je n'ai pas pu tourner de belles images pour mon grand film sur le sauvetage en mer.
Au contraire, commandant, je trouve que le résultat dépasse largement nos espérances. Toutes les caméras portatives étaient restées allumées quand on a secouru Sarah. Je me doute bien que tu l'as pas fait exprès. Mais tu dois faire très attention quand t'es à l'intérieur d'une voiture et surtout ne pas toucher aux commandes. Désolée, Julie. Et j'imagine qu'il est trop tard maintenant pour aller voir le nouveau film de Flex Dexter. Ne sois pas déçu, Mathieu. Je connais un film encore meilleur que tu pourras voir à la place. Bienvenue à la première de notre nouvelle vidéo promotionnelle avec, dans le rôle principal, la nouvelle star internationale du cinéma d'action que tout le monde s'arrache, Elvis Portillon. Je suis le roi du monde. Non, 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 surtout pas cette version. On s'en occupe. Ça va aller. Restez baissés, on va sortir. On doit d'abord maîtriser les différents foyers. Commencez par le foyer principal, il ne doit pas s'étendre. Je m'occupe des autres départs de feu. Chez les carreaux, Sam. Comment ça se passe de votre côté? Ça y est, tout est sous contrôle ici aussi, Julie. Je suis vraiment désolé. Je me suis dépêché d'assembler mon module de lancement pyrotechnique 2000 et je n'ai pas pris le temps de faire les dernières vérifications de sécurité. Non, c'est de ma faute. J'ai été beaucoup trop impatiente. Je n'aurais pas dû insister pour que tu te dépêches. Ton feu d'artifice aurait été tout aussi beau. Même s'il avait été très beau, la façon la plus sûre de profiter d'un feu d'artifice, c'est d'aller en voir un organisé officiellement. Mais on a raté celui du parc maintenant. Il n'a pas encore commencé. Si vous vous dépêchez, vous arriverez à temps. On peut y aller, papa? Bien sûr qu'on peut y aller. Super! Je vais finalement les voir, mes deux feux d'artifice. Et avec un peu de chance, cette fois, les fusées seront envoyées au bon endroit. Là-haut dans le ciel. Wow! Il est presque si beau que le tien, papa. Oh, allez, allez, ça. Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester le plus loin possible du feu. Ok tout le monde, nous sommes en présence d'un four à bois, d'une bobonne de gaz, ainsi que d'un four à micro-ondes électrique en flamme. Moi, je vais débrancher le micro-ondes. Et moi, je vais arroser la bonbonne de gaz. Et moi, je vais éteindre le four à bois. Bien reçu, Ellie. Le feu se propage. Je m'en occupe, Sam. Nos pizzas. Apparemment, l'origine de l'incendie provient de ce four à bois. Désolé, Sam. Il était à nous, ce four. Je pense que j'ai agi avec un petit peu trop de précipitation. Tout ça, c'est la faute de Mathieu. Il le poussait à aller plus vite. Non, c'est pas moi. C'est toi. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre. L'essentiel étant de ne pas oublier de faire bien attention quand on cuisine en plein air. En particulier lorsqu'on cuisine au feu de bois. Désolée, Ellie. Dis-moi, Portillon. Portillon, est-ce que tu as trouvé quelques restes de pizza? Non, mon commandant, pas même un tout petit morceau. Je suis terriblement déçu. Pas de pizza pour aujourd'hui, mais que diriez-vous d'un plat de fish and chips? Super! Oui, excellente idée! Oh! Bingo! Regarde ce que je viens de trouver! Je préfère me rabattre sur les fish and chips. S'il vous plaît, pour votre sécurité, reculez tous.
Merci. Je vais chercher Sarah et Capteur. D'accord, moi je m'occupe du feu. Je ne les vois ni l'un ni l'autre. Je vais aller vérifier au sous-sol. Bien reçu, Sam. Sarah ? Sarah ? Je suis là, Tonton Sam. Oh, Sarah, on doit sortir. Mais j'arrive pas à trouver Capteur. Ça va aller, ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Mais je dois d'abord te mettre en sécurité. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé Capteur. Qu'est-ce qu'il y a, Ombrage? Vas-y, montre-moi. Pourquoi Ombrage renifle le jouet de Capteur? Parce qu'elle va essayer de le retrouver. Elle est inquiète à cause de la fumée. Passe devant, Radar. C'est bien, Ombrage. Suis-le. Quelle équipe! Les voilà! Oh. Bravo, les chiens! Pardon, Julie, j'apprenais un tour à Capteur. Je ne sais pas comment il a réussi à entrer dans le café et il a dû allumer le four. Tu sais, Sarah, quand on a un chien, on doit le surveiller attentivement et faire en sorte de toujours savoir.